Bonjour tout le monde! Ça va et vous? Je vous retrouve pour faire le challenge noir et blanc dans Créer un Sims. Vu que la dernière fois on l'avait fait en mode construction et que vous vouliez que je le fasse dans Créer un Sims, eh bien c'est parti! J'ai prévu deux personnages aléatoires hein, et on va voir ce qu'on peut faire avec eux, ce que ça va donner. Est-ce que je vais changer leur couleur de peau? Est-ce que je vais changer leur couleur de cheveux? Enfin, comment ça, je sais pas. Voilà. Par contre, je vais pas forcément les modifier physiquement. Je vais pas modifier le nez, la bouche, etc. C'est vraiment au niveau des vêtements et des accessoires et de la couleur de la peau et de la couleur des cheveux que ça va se passer. Alors, je passe du coup en mode Sims. Alors, c'est parti pour. Je vais commencer par la couleur de la peau. Je sais qu'ici, ce sont des couleurs rose, vert, bleu. Donc, je sais pas si j'y vais. Je pense que je vais plutôt rester dans ces couleurs-là. Voilà. Je prends pas trop de risques à ce niveau-là. En fait, quand même, le but du challenge, c'est pas forcément doser les couleurs. Parce que sinon, en fait, on jouerait plutôt avec le petit dé en mode aléatoire. Le but du jeu, c'est plutôt d'essayer de faire quelque chose de sobre ou d'harmonieux, mais en ayant, voilà, la contrainte de ne pas voir les couleurs. Donc, ouais, c'est un petit peu difficile de savoir si on fait quelque chose d'harmonieux, hein, voilà. Donc, je vais choisir cette couleur. Je pense que c'est un rose. Je pense que c'est un truc comme ça. Je vais peut-être lui mettre, voilà, des sourcils foncés, comme ça ira bien, je pense. Je vais pas faire assortir aux cheveux parce que sinon elle aura des sourcils peut-être roses et c'est pas vraiment naturel au final. Ouais, ça va être, ça va pas être facile effectivement. Je vais partir sur le blush que j'utilise tout le temps. Par contre, elle a une couleur de peau. Bah, je pense que ça peut passer avec ce blush. Je sais pas s'il se verra. Mais celui-là, il est rose pétant. Non, c'est lui qui est rose pétant, je crois. Non, lui, il est orange, lui, il est rose pétant, lui, il est rose. Je vais partir sur lui. Au niveau des yeux. Ouh là là, ça a l'air super clair. Je vais partir sur ça. Allez, je vais quand même faire quelque chose de joli et je vais aller lui chercher des cils. Des fois, la musique, elle s'excite en jeu. Je sais pas pourquoi. Elle s'augmente tout d'un coup. C'est très bizarre. Là, elle s'adoucit tout d'un coup. Voilà. C'est très bizarre. Alors sur quoi je pars? C'est pareil au niveau des rouges à lèvres. On sait pas trop ce qu'on met, quoi. Ma souris est décalée? Décalée, quoi là? Ah bon, elle est décalée? Non mais de toute façon le logiciel, il est pas fiable, hein. Ça commence à m'énerver, tout ça. Chaque fois, il y a un pet. Ça, c'est un rose, je crois. Allez, je vais partir là-dessus. Oui, j'ai laissé par contre mes contenus personnalisés. Je me suis dit, bon, on verra ce que ça donne. C'est quoi ça? Ah, c'est un fard à paupières? Ah oui. Je voudrais un eyeliner. Je sais pas si ce sera joli, mais je voudrais voir qu'est-ce que je pourrais mettre. Est-ce que celui irait? Parce qu'en fait, ça dépend de la forme des yeux. Vous voyez, là, ça va pas. Qu'est-ce que j'aurais de sympathique? Ah! Plus épais peut-être? Ah, pourquoi pas? Ah, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà! Pourquoi j'ai mis cette coiffure? Enfin, pourquoi pas, hein, écoutez. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment plus parce qu'en fait, ils l'ont trop vu dans différentes vidéos. Parce qu'à un moment, bah, vu que la donne y était nouveau, bah, en fait, tout le monde utilisait cette coiffure, vu qu'on était content d'avoir des boucles. Et il y en a plein du coup qui ne la supportent plus. J'ai récemment téléchargé des petits trucs que je vous ai partagés sur le site Tumblr. Je vais voir si je les trouve. Qu'est-ce que j'ai pu télécharger récemment? Mais après, ça lui allait super bien, je trouve, les boucles. Ouais. Allez, pourquoi pas ça? Allez, ça. Allez, ça. Elle est trop jolie. Ah bon. C'est vrai qu'elle est jolie. Alors, au niveau de la tenue. Je sais que ça, c'est super pétant.
Ça serait plus doux. Voilà. Avec un... Ah oui, je t'ai chargé ce pantalon là. Il est trop cool pour une ado ou quoi. C'est vraiment mignon. Alors, qu'est-ce que j'aurais de sympa? Soit une jupe, vu que c'est l'été et tout. Enfin non, c'est pas du tout l'été, qu'est-ce que je raconte? Vu qu'il fait chaud, qu'on crève de chaud. Soit je mets ça qui est en jean. Donc ça pourrait aller. Vous êtes plus pour une jupe ou pour un pantalon? De toute façon, il y a tout plein de tenues à faire, donc je pourrais avoir le choix. Allez, pourquoi pas un petit pantalon comme ça? Je vais choisir celui-là. Je crois que celui-là, il est gris. Ah. Peut-être que celui-là, il est bleu? J'espère. Ouais, il est vraiment cool le jogging militaire. Non, elle n'est pas grosse du tout. Et même si elle l'était, qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Elle aime son corps. Elle se trouve belle. Je vais mettre. Ça, je crois que ce sont des chaussures que je n'aime pas en général. Mais là, en noir et blanc, c'est très beau. Du coup, je vais mettre. Je vais mettre. J'aimerais bien mettre celle du pack lessive. Je crois que c'est ça. Ouais. Pour l'été. Voilà. Bonjour de la Martinique. Salut la Martinique. Pantalon. Bah allez, c'est parti. J'ai mis un pantalon. On va lui mettre un petit bracelet, une petite montre, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait? Peut-être ça en blanc. Ah mais c'est blanc et noir. Ouais, celui-là, je crois que c'est marron. Ça va. On va s'occuper d'abord de toutes les tenues et on va voir si on peut faire plusieurs tenues par la suite. Alors, faut que j'essaye d'aller plus vers les contenus du jeu de base. Et encore, parce que des fois dans les contenus personnalisés, il y a encore plus de couleurs bizarres, donc je peux encore plus me piéger en fait. Par exemple ça. Vous voyez toutes les couleurs qu'il y a, hein? Forcément qu'il y en a une qui est spéciale. Donc, il faut que je choisisse des chaussures qui seront peut-être blanches. Blanches. Celle-là. Ouais, c'est vraiment dur de deviner la couleur des objets en noir et blanc. Moi, j'y arrive pas. Hein. Bon, ça, c'est blanc. Ce sont des petites perles. Pourquoi pas lui mettre des perles? En général, j'aime pas trop les mettre parce que je trouve qu'il y en a beaucoup en fait. C'est dommage d'avoir mis trois bracelets plutôt que qu'un seul. Est-ce que j'aurais pas téléchargé? Non, je l'ai pas téléchargé. Il y avait un collier perle comme ça. Il était vraiment beau et je l'ai pas pris. Je vais mettre ça. Et on va lui relever les cheveux. Genre comme ça. Oui. Ah oui, il faut changer le maquillage. C'est vrai que j'y pense pas du coup, vu que c'est en noir et blanc, je vois rien. Mais en fait, oui. Alors, je vais lui mettre ça. Les petits cils. J'ai hâte de voir le résultat. C'est bon, ça c'est bon, ok. Voilà, pour aller avec les perles, normalement. Ensuite, ça c'est la tenue de sport. On va pas forcément lui mettre de maquillage, mais juste du blush pour dire qu'elle a couru. Avec les petits cils, comme d'habitude. Ça change tout en fait, je trouve. Ouais, c'est vrai que la coupe est jolie. Ah, d'ailleurs, il faudrait que. Là, je lui attache les cheveux encore. Une queue de cheval, une tresse. Allez, pourquoi pas une tresse? Oh, j'espère que c'est la même couleur! Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle changera tout le temps de couleur. Allez, pour courir, je lui mets ça. Ça se trouve, c'est violet, hein. Pourquoi pas un petit short avec des baskets. Moi, mes baskets préférées, ce sont celles-ci en blanc. Voilà, celles-là, je les connais, il n'y a pas de souci. Mais sinon, dans mes vidéos, mes contenus personnalisés favoris,
Vous pouvez voir tout ce que j'utilise pour le skin, par exemple. Vous voyez qu'il est différent par rapport au jeu de base. Et vous avez tout ce qui est aussi cils, détails de la peau, pour ajouter par exemple des rides. Dans cette vidéo, il y a tous mes favoris au niveau de la peau. Des Sims. Il y a même des boutons. Non, pas de maquillage. Ben non, tu vas dormir. Un petit peu de blush, oui, parce qu'elle a bonne mine. Et c'est parti pour le pyjama. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Non, pardon. Oui. Je vais mettre ça. Allez, j'espère. J'aime pas trop ces chaussons parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Pourquoi pas, quand elle dort, lui mettre les cheveux bouclés? Parce que quand elle dort, ses cheveux sont moins lisses. Voilà. Du coup, ils remontent et ça fait... Voilà. Comme ça, elle a plein de styles différents. Et on va dire, quand elle est en soirée, elle lisse pas ses cheveux et du coup, elle les a bouclés. Voilà. Et là, du coup, c'est parti pour le make-up de l'extrême, parce qu'on est là pour faire la fête. Donc, je vais mettre les cils. Franchement, les cils, c'est super chiant à mettre. Je suis obligée de désactiver femme. Et de mettre homme également. C'est très dur. Oui, franchement, c'est très dur de faire ça. Oui. Alors, make-up de l'extrême. Ça signifie qu'on va mettre ça. Ah non, le blush. Voilà. Et qu'on va mettre un... Voilà, comme ça. Oui. Une amie... J'ai coupé 20 cm de mes cheveux. Oh là là! Comment t'as fait, Tess? Oh, ça doit être dur pour toi. Enfin, je sais pas où ça se trouve, t'en es contente, mais ça doit faire un choc quand même. Hein. Au début, tu te dis, ok, je suis prête, et puis, je sais pas. Le rendu peut choquer. Faut s'y faire. Je me suis cassé la figure. Ah, super programme, Elena. J'espère que ça va. Je suis en épreuve commune. Oh... Absolument rien de ma journée. Bon, ça c'est bien. Je vais mettre une robe pour sortir. Qu'est-ce que j'ai comme robe de cool? Celle-là, elle est cool, hein? Je l'ai téléchargée, oui. Ah oui, celles-là, elles sont belles. Mais bon, on va partir dans un truc du jeu de base. Allez, je vais jouer avec ça. Je sais qu'il y a plein de couleurs différentes. Donc, si ça se trouve, elle aura une couleur spéciale. Et je vais être choquée. Ça ne va pas du tout aller avec le make-up. Voilà, des petits talons basiques. Et une montre. J'aimerais bien choisir une montre noire. Je sais pas si elle est noire, elle. La robe, je me demande vraiment quelle couleur. Je crois que c'est marron. J'aime pas trop. Bon, on va voir. Vous pariez sur quoi? J'ai fait du cirque. Ah ouais? Je sens bien. Bon, là, elle a les cheveux bouclés parce qu'elle va dans l'eau. Et donc forcément, hop, ça frise. Voilà. Et on va lui remettre les cils. C'est tellement important, je trouve, les cils dans les Sims. C'est bizarre qu'ils en aient pas fait. Enfin, ouais. Il y en a selon les formes pour les yeux, mais bon. Hop. Et puis c'est tout. Et là, du coup, maillot de bain. On va pas se prendre la tête, hein. Ça, alors. 1, 2, 3. Faut que je choisisse le même bas. Ah, est-ce que c'est ça? Peut-être que non. Peut-être que non. Hein, on verra. Allez, je passe sur le mec.
Je parie sur rouge. Ah, rouge, ça me plairait bien. J'ai envie de lui mettre une barbe et tout. Allez, allez, allez. Allez. Lui, on va lui mettre. Bah, j'ai pas envie qu'il. Non, j'ai pas envie. Non, on va rester là-dedans. Ah, il est beau comme ça. Allez, on va faire jeune. C'est jeune, ça. Ça sent ou non? En fait, il fait pas jeune du tout. Avec sa barbe, il fait tellement pas jeune. Attendez, je vais lui mettre, je sais pas, une barbichette ou juste la petite barbe comme ça. Voilà, comme ça, à la limite. Allez, je lui mets ça. Ça doit être kaki ou un truc dans le genre. Et il faudrait lui mettre un jean bleu foncé. Je vais partir dans le contenu de base. Ah, lui, il est bien! Ok, je pense que ça va être très moche. Oh là là! Il n'y a rien qui va aller avec sa tenue. Ah. Attends. Allez, je joue avec le feu. En fait, il fait un peu négligé, non? On dirait que ses cheveux sont un peu gras. Après, c'est peut-être le fait que ce soit en noir et blanc, hein. Donc, non, je vais pas dire ça. Ça, je crois que c'est noir et rouge. Et ça, c'est noir. Donc, ça va ensemble. Et ensuite, ça, c'est noir. Donc, ça va. Ça, sinon je mets ça. Voilà. Normalement, c'est total look noir et rouge. Ça va. Allez, ça, c'est super fluo, je crois. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça avec un short. Je vais essayer de trouver un short noir. Ça, je crois que c'est noir. Avec des baskets. Celle-là. Ça doit être vert ou bleu, hein, mais c'est pas grave, ça doit être bien. Petit caleçon. On va lui mettre juste un pantalon. Et. Bah, ce qui aurait été marrant, c'est de faire un mec maquillé et tout. Un style efféminé. Ça aurait été fun. Une autre fois. Franchement, un jour peut-être que je vous créerai ouais, un Sims comme ça. J'en ai jamais fait en fait, je viens tout juste de me rendre compte. Pareil, là je vais oser le contenu que je mets rarement parce que je sais que les couleurs sont spéciales. Niveau des pantalons, je pourrais mettre tout un tas de choses. Enfin, c'est vrai qu'avec ce haut, on peut pas mettre grand-chose en fait. Ou alors il faudrait que j'enlève fête et que je trouve un short. Est-ce que vous trouvez. Non, ça va pas ensemble, il a un col roulé, il a un short le gars, c'est bizarre. Je pense que c'est gris. J'espère. On va mettre ça comme chaussure. Je pense que. Ça c'est peut-être marron. Bon allez, on verra. Et puis, le short de bain. Pareil, ça c'est pas grave si c'est coloré ou non. Franchement, ça passe. Ça passe dans tous les cas. Voilà. Bon, je pense que pour lui, j'ai pas réellement fauté, je pense. Franchement. Après, c'est comme pour la maison. La maison, j'avais trop l'impression que j'avais tout fait comme il fallait. Mais ça se trouve, ça va pas être terrible. Je sais pas du tout. Franchement. Je m'attendais pas à ça. Vous avez vu là? C'est rouge. Attention les gars. Eh, c'est pas mal, hein? Eh, j'ai tout raccordé. Ah, elle est bleue. Elle est bleue. Même le rouge à lèvres, il est bleu. Je crois.
Voilà, donc j'ai assorti les chaussures avec la veste et le t-shirt avec le bas. Oh là là. Ça va, c'est coloré, c'est sympa, c'est pas non plus horrible. Ça passe. Je savais même pas qu'il y avait un pantalon comme ça. Ah oui, j'ai choisi le pantalon le plus coloré du monde. Ok. Comme ça, ça aurait été cool aussi, tu vois. Mais ça va. Ça va, ça passe. Franchement, pas mal. Ouais, ça va. Tenue habillée, normalement, c'est noir et rouge. Oui ! Hey ! En fait, le mec, il s'habille tout le temps en rouge, quoi. Je me suis dit, c'était un gars qui aimait le rouge, voilà. Tenue de sport. Ah ! Il aime le rouge, oui, effectivement. Ah mince ! Il aurait fallu que je choisisse, voilà, celle-ci. Là, ça aurait été parfait. J'ai choisi les vertes. Voilà. Franchement, en rouge comme ça, ça aurait été trop cool. Oh là là. Ah, là, on a du rose, voilà. Ok. Ok, d'accord. Je pensais que c'était gris, blanc. Non, non, c'est rose. Ça va, c'est un pyjama, hein. Ah ! Ah ! Ah, c'était sûr que c'était pas du noir. Mais en fait, il n'y a pas de noir dans ces chaussures. Et que du marron, voilà, j'aurais dû choisir celle-là. J'hésitais entre les deux. Ah si, oui, il y a du noir bleu comme ça, là, oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que je suis pas trop fan de ce haut. Je l'ai jamais réellement été. Je trouve ça bizarre, en fait, d'avoir un col roulé, plus une veste et tout. Je trouve que ça fait un peu strict, en fait. Enfin, ça dépend avec quel bas. Mais là, ça fait un peu strict, je trouve. Mais ça passe, ça passe. Il y a des tons de bordeaux et ça va avec les chaussures. Le mec est bien assorti. Et le maillot. Voilà, basique. Ça va, c'est coloré. Alors voyons ma Sims numéro 1. J'ai du mal. Ah, j'étais là, mais pourquoi elle est en maillot? Ok, j'ai pas choisi la même couleur déjà de 1. J'ai choisi des lèvres. Marronné pour aller à la piscine. Par contre, elle a les yeux bleus. C'est mignon. Et elle a les cheveux bleus. Voilà. Et voici sa couleur de peau, du coup. J'ai peur. Je la vois bien rousse. Ouais, j'aurais bien aimé aussi. Oh! Elle est trop mignonne. Bon, c'était pas ça que je voulais, mais voilà. Non, franchement, la montre, la tenue, là, ça va. Et donc elle a du rouge à lèvres violet. Mais ça va, c'est mignon. Du coup, j'ai pas voulu mettre... Alors, à un moment, je voulais mettre quoi? Je crois que je voulais mettre celui-là. J'aurais mis ça, quoi. Oh là là, j'aurais mis ça. Ça aurait été rigolo. Parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Donc, voilà. Et sinon, je crois que j'aurais pu mettre voilà ce genre de truc-là. Ça va, ça c'est pas non plus dérangeant. Mais au final, voilà, j'ai mis un truc discret, je sais même plus ce que c'est. Oui, c'est ça en fait que j'ai mis. Ça lui fait des petits yeux en fait, c'est peut-être mieux comme ça quoi. Voilà, bon ça va, c'est mignon. C'est mignon. La fille, elle s'est dit, je m'habille avec des couleurs plutôt simples et je joue avec la couleur de mon rouge à lèvres. Et donc ça, c'est un contenu personnalisé, si jamais vous vous posez la question. C'est A Star BP. D'accord. D'accord. Ouais, je sais pas trop réellement si c'est ça. Ah, je l'avais jamais vu, ce rouge à lèvres. Faudrait que je m'amuse avec les couleurs. Ah, mince! J'ai choisi des perles roses. Ah, j'aime pas trop. Ah. Là, j'aime pas trop. Du coup, je trouve que ça l'a vieilli, alors que là, elle fait toute jeune avec les cheveux bleus et tout. Et là, en fait, elle fait mémère avec des perles roses, là, on sait pas d'où ça sort. Et elle a un rouge à lèvres très foncé, avec une robe kaki bizarre. Je sais pas, je suis pas trop fan. Ça va, c'est pas non plus... ça peut bien aller ensemble, mais j'aurais préféré autre chose, quoi. Regardez tout ce qu'on avait. J'aurais pu tomber là-dedans. Je crois que j'aurais été plus contente. Regardez. Ça donne du peps. Ouh là là. Ah ouais, j'aurais pu tomber là-dessus, quoi. Peut-être que j'aurais préféré mettre ça comme ça. Avec des boucles d'oreilles blanches.
Ah, elles étaient là? Elles étaient juste avant? Ah ouais, oh là là, je croyais qu'elles étaient vraiment blanches les roses. Et ce que j'aurais voulu, voilà, là ici je pensais qu'il y avait pratiquement que du rouge, du rose, du rouge, hein, du rouge, je dis. J'aurais aimé un petit truc comme ça. Là, elle est trop mignonne comme ça! J'ai pas géré, hein. Comme ça, c'est vraiment plus mignon. Ah, là, ça va. Là, ça va. Sans maquillage, elle est mieux qu'avec un rouge à lèvres marron. Ça va, il y a une petite touche de violet qui est sympa. Oh! J'ai choisi que du bleu. Bah, elle aime le bleu. Ça va, c'est mignon. Et... La robe, c'est parti. Ah, vous avez raison, elle est rouge. Ouais, perso, j'aime pas la tenue habillée. Ouais. Bazar, bazar. Donc, on a un rouge à lèvres bleu. Je trouve que le make-up est beau. Mais la robe, bah du coup, j'aurais préféré ça. Ou... Non, peut-être pas ça. Non, ouais. Ouais, noir, voilà, c'est tout. Franchement, les couleurs ici, elles sont spéciales quand même. À quoi que le marron n'aurait pas été si mal. C'est que rouge et bleu, je sais pas si ça va réellement bien ensemble. Après, ce sont selon nos goûts. Mais moi, perso, je trouve que ça fait un peu bizarre. Coucou ma grande, j'espère que tu n'as pas trop chaud. Merci Laurie. Un petit peu, mais franchement, ça va par rapport à l'été dernier. Bon, là, on n'est pas encore l'été, mais j'ai vraiment pas hâte, quoi, parce que je sais qu'on va mourir de chaud. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de la tenue habillée. Bon, ouais. Comme ça passe, et encore, il faudrait peut-être un truc, voilà, un petit peu plus près du corps. Ah! Ah! Comme ça, elle est trop belle, non? Le rose pâle, comme ça lui va trop bien. Hein. Les gens, ils vont se dire, mais pourquoi elle nous partage ça? D'habitude, elle fait pas du tout ça. Le challenge est terminé. J'espère que vous trouvez que c'est un challenge réussi. Que j'ai quand même réussi à faire des jolis trucs. Je ne sais pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ou nez. Like ou nez, oui. Ah, voilà, c'est bon. Merci, challenge réussi. Céline, elle dit merci beaucoup. Bon, ça va. Oui, je ferai des let's play, enfin un let's play en live. Je me suis rappelée de ce que je voulais faire en live avec vous comme let's play. Le temps que je prépare tout ça et tout, mais je pense que ça peut vous plaire parce que normalement ça vous fera participer. Donc j'ai hâte de faire ça, voilà, de préparer tout ça. Je vous adore aussi, passez une très bonne soirée et peut-être à tout à l'heure. Bisous, merci d'avoir été là. À très très vite. Hmm.